La Californie est plus précisément un quartier assez branché de Los Angeles qui connaît un renouveau depuis quelques années. Vous allez voir que les Français n'y sont pas étrangers. Coco Rico, nous dit Claude Budin-Juteau, notre correspondant qui est sur place, a enquêté justement sur ces Frenchies partis à la conquête de LA. Towers floating on a sea of gold, downtown Los Angeles. Downtown Los Angeles, autrement dit, le centre de Los Angeles, c'est devenu le quartier où il y a le plus de transformations. Aux vieux immeubles des années 30, au théâtre du siècle dernier et aux populations modestes, en majorité latino, succède un nouveau centre-ville avec gratte-ciel, architecture d'avant-garde et population aisée. Témoin de ce renouveau, Franck Morino, agent immobilier d'entreprise, qui s'est chargé de l'installation d'un bon nombre de Français au centre-ville. Ce qu'on appelle le downtown a beaucoup changé et il y a beaucoup de Français qui s'intéressent justement à ce qui se passe downtown. C'est un downtown qui est complètement différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 10 ans et même de ce qu'il était il y a 5 ans. Les Français sont en effet très appréciés dans l'effort de revitalisation du centre-ville, en grande partie à cause de leur savoir-faire dans des domaines spécifiques, comme par exemple la fabrication du pain et la pâtisserie, des spécialités bien françaises. La boulangerie Pichoun a ouvert il n'y a pas longtemps grâce aux efforts de Frédéric et Fabienne Souliès, venus du sud de la France. Downtown LA est un quartier émergent, on va dire, à Los Angeles. Qui a une énergie incroyable. Et mon mari a visité ce local et est tombé amoureux du building parce que c'est un building historique. Downtown, l'avantage est qu'il y a une clientèle de midi. Nous, on est situé au Financial District, donc le quartier financier. Donc c'est un quartier qui est très dynamique au moment du lunch. Une clientèle d'hommes d'affaires qui apprécie la culture française comme RJ Manuelian, qui vient ici régulièrement. It's the French explosion of 2016. They have a lot of different French places opening up. Obviously, it's supply and demand. A lot of people have a demand for French food. Juste à côté de Pichoun, la galerie d'art Please Do Not Enter, en anglais dans le texte, appartient aussi à des Français, Nicolas Libert et Emmanuel Renoir, venus apporter une touche culturelle au quartier. C'est pas l'idée de faire un magasin franco-français cocardier. Je pense que ça, c'est trop réducteur. Et c'est pas non plus ce qui a fait... Ce qui a permis à la civilisation française, si tant est qu'on puisse l'appeler comme telle, de rayonner à travers le monde. C'est vraiment plus une sensibilité, c'est plutôt, je dirais, un savoir-faire et un savoir-vivre qu'on va essayer de communiquer. Une sensibilité française exprimée par cette collection de 50 masques Made in America, réalisés par un artiste belge, Christopher Coppens. Une galerie d'art qui a déjà attiré des grands noms, puisque Lady Gaga est venue s'approvisionner ici pour sa série American Horror Story. Le centre-ville de Los Angeles était autrefois connu pour ses théâtres luxueux, au début du siècle dernier, tombé en désuétude depuis et transformé en magasin de vêtements, en bazar ou en église. Éric Scholl, un autre Français, a décidé de racheter un de ses théâtres, le Globe, et à lui redonner son charme et sa grandeur d'antan. Downtown est pour moi l'âme de Los Angeles. Il y a une richesse culturelle et architecturale qui est unique. En plus de son architecture remarquable, le Globe est en effet rempli d'histoire. Cette loge, par exemple, était habituellement occupée par Charlie Chaplin, fidèle habitué de ce théâtre. C'est un balcon qu'on peut considérer comme porte-bonheur, puisque Jennifer Lopez et Pitbull y ont tourné leur clip On the Floor, qui est resté pendant 3 mois numéro 1 mondial sur YouTube. Et le savoir-faire français ne serait pas complet sans la grande restauration, où les meilleurs chefs viennent bien sûr de France. Le Petit Paris est un autre exemple, où un couple de Français, David et Fanny Roland, ont repris un local désaffecté dans un magnifique immeuble ancien pour le transformer en un somptueux restaurant avec animation tous les soirs. On est différents dans le style, dans la décoration, dans le culinaire. On a chacun nos différences et donc forcément... Pour un Américain de venir dans un établissement français, je pense que c'est une vraie découverte. Et c'est le but qu'on essaye de donner d'ailleurs. 4 entreprises différentes, 4 manières d'offrir la culture française aux Américains. Mais pour tous, une fois absorbé l'énorme travail initial d'installation, il y a la satisfaction d'apporter la French touch à un Los Angeles qui s'embellit de jour en jour. Merci Claude.